Dieudonné, je vous arrête, vous êtes noir. Je suis noir. Oui, en effet. Merde, je suis entouré par des noirs. Je suis dans le 93. Oui. Je m'incline. Ouais. Vous voulez devenir noir? Ouais, comment on fait? Une Michael Jacksonnage à l'envers? Non, je te chie de ma gueule. D'accord. Allez-y. Tournez-vous. Non, je suis trop vieux, je peux plus chier. Ok. Ma prostate est morte. Ma prostate est morte, je peux plus. Ça vibre dans mon corps. L'heure de repos. Emporté par les démons, je suis crevé. Oui. Le café porn. Direct, on parle là-dessus. Ouais, c'est gentil, Rika. Je suis en train de l'imaginer avec sa voix dire ça, c'est chaud. Enfin, ça dépend. Donc là, ça va pour le moment, il tient bien, il vit... tu sais, au niveau, tu sais, suspect, hein. Il vrille pas parano. Allez, vas-y, maintenant. Ouais. Ah, bah voilà. Prêt. D'accord, donc c'est pas bien petit cacheté d'espionner les filles, hein. Les démons l'ont enlevé, mon enfoiré, ils exigent une rançon. ça a changé les démons, hein. Mais on a plus de pognon, hein, en enfer. On sous-traite avec des Chinois. Ça, on a presque plus d'employés, hein. C'est dur de gérer tous ceux qu'il y a là-bas. Appelez des noms du jeu. Bah moi c'est parce que voilà, je suis complètement fatigué, toi t'as pas d'excuse. Enfin si, il est complètement pété aussi. Ouais. Une soirée.
Terrain. Ok. Ouais, on en apprend des choses. Donc Rena a peur, ouais, de la malédiction. Ça va par paire, il y en a un qui meurt et une autre qui disparaît, c'est sympa tout ça. Ouais. Il aurait fallu que je ne suce rien. Il se réveille en disant ça, qu'est-ce qu'il raconte? Aïe. Donc. Il est violent avec les gosses, vas-y frappe-les, défonce-les. J'ai horreur des gosses. Et la maîtresse, elle se doute des trucs ou pas? La pauvre, hein. C'est pas facile à gérer cette classe de ouf, hein. De cassos. On va encore jouer à ça? Ouais, c'est ça, c'est une excuse, hein. Vilaine fille, elle veut pas assumer. D'accord, à l'aide de ses oncles. Elle en a combien? C'est une grande famille. D'accord. Donc notre famille peut nous sous-traiter aussi. Nous exploiter. Ouais. Je pense ça pour... C'est vrai. D'accord. Bon, bah finalement, pas de jeu, c'est triste, hein. Ah, on n'aura pas notre revanche. Putain, maudit flic. Faudra le taper, hein, le flic, la prochaine fois qu'on le voit. Mais on va le prendre en embuscade à la sortie du commissariat. On va venir le défoncer directement dans son bureau. C'est comment finir direct derrière les barreaux. Heureusement, j'assouvis pas mes pulsions sexuelles. Ouais, ça va, j'ai Rena pour ça.
comme c'est mis. Ça l'autre. Ah, c'est mis. Pouf, pouf, les gosses. C'est Mimi de taper des gosses. Hein. C'est génial. Ok, hein. Satoshi, ça c'est. Ah, Satoshi! Ouais, c'est qui Satoshi? Satoshi, c'est le nom qu'il faut pas prononcer, c'est ça, ça va être Voldemort, hein. Ouais, oui, on fait pas de cache de secret. Hein. C'est tendu, hein. Ça va partir en sucette. Progressivement, vous le sentez, hein. La tension dans l'air. Oh putain, encore ces cigales. Porte bien le nom du jeu, hein. Différent, ouais. Elle essaye de nous rassurer. C'est pas mal la petite conversation. Oui. De bons souvenirs. Ouais, t'as traumatisé, t'étais sans souffle douleur. Mais elle s'est entraînée comme Rocky Balboa et maintenant elle gagne. Elle gagne maintenant, voilà. Ça la pauvre, ah là là, hein, pauvre mignon. Oh non, même pas pauvre, c'est rigolo. Ah mon dieu! みんなは俺に嘘や隠し事なんかしてないよな。ん？してないよ、全然。嘘だろ。どういう意味だろう、ケイチ君。してるよな。俺に隠し事。 Ouais. Ouais.
Ah, le truc flippant. T'as pris de la drogue ? Ah là là, c'est sympa dis donc, un faucon. Ah là là. Voilà, t'as un tueur. Oh mon dieu, oui, j'étais avec un pédophile. Il y avait la clim et tout. Comment t'es au camp? J'étais caché dans le coffre. Ah. C'était moi, Oishi. Regarde, j'ai le masque. Putain, la paix. Hey, ton micro il sature. Aïe aïe aïe, ça fait mal. Qui était-ce? Ah ouais. D'accord, bah, ça marche, faisons comme ça, ravi de t'avoir revu l'ami. Pouf, casse. Ah, long, très long, ouais. Elle aime pas les menteurs, hein, c'est pas bien. Mais elle aussi, elle ment, donc c'est... On t'a reconnu, Fantomas. Ha. Eh ben dis donc, c'est charmant tout ça, hein. J'ai chié dans mon froc. Bon, on a des nouveaux indices? Non, on a rien. Le libraire? J'ai affaire avec le libraire, moi. Qu'est-ce qu'il veut, le libraire? Ouais, c'est clair. Bon. Eh, hey, mec, tu me fous dans la merde. Rena s'est transformée.
en Super Saiyan niveau 12. J'ai eu peur d'avoir fait pipi dans mon pantalon. Faut que tu m'aides, Richie. Hello. Ouais. D'accord, ça marche. Sympa vos expressions, hein. Enlever par les dieux, par les démons. Nous, ce serait quoi l'équivalent? C'est enlevé par le petit Jésus. C'est enlevé par les vers. Les conventites. D'accord, c'est sympa. Par contre, vous pouvez baisser le son du film d'horreur qui joue sur la télé. Oh, désolé. C'est les cris et tout, ça vient du film d'horreur. D'accord. Des sandales. Je peux venir les sniffer. C'est une conspiration. Et les démons existent vraiment. Ils prennent possession des corps de mes amis. C'était ça, chez Rena. Ouais, ils étaient verso. Le point commun à la con de merde. Moi je parle pas beaucoup, je vous laisse bien lire, hein, et tout. Ouais, moi je lis le truc, si ça me rappelle des souvenirs. Ça me rappelle le bon vieux temps quand j'ai maté l'anime. Ojo.
D'accord. Ok, franchement, je fais dans mon froc. Tu vas le regretter. Ah, d'accord. J'avoue, essayez de faire attention à elle. Les chiffres. C'est mon père, il a l'air très très bien. Très bien. Voilà. Oh là là, il est chiant. Eh papa, je suis au téléphone avec le libraire. Ça fait 3 heures. Ah, ah, ça passait vite. Allez, non, toi, tu raccroches. Ah, non, toi, non, toi. Ouais, je dédramatise un peu l'ambiance. Faut en profiter, parce que là, ça va aller de plus en plus sombre. Ah là, on arrive à... Là, je suis en terrain connu, parce que là, avant, on a eu plein de passages qui n'étaient pas dans l'adaptation animée, mais là, on est en terrain connu. Hein. Là, on est dans les 4-5 premiers épisodes. Alors qu'elle repartait. Alors vous avez discuté. Et il m'a appelé. Merci. Parce qu'une heure, on est monté. Ok. Elle nous espionne. Ah, c'est, par contre, c'est encore mieux que dans l'animé. Parce que dans l'animé, le père n'a pas vu Reyna repartir. Dans l'animé, normalement, il l'a juste vu arriver, mais pas repartir. De souvenir, tu sais, il est même surpris qu'elle soit plus là. De ce. Si j'ai pas de conneries. C'est flippant. Eh ben dis donc, c'est rassurant tout ça, dis donc, hein. Mais fais pipi dessus. Le message du commissaire. Oui, bonjour. Commissaire. Oh chier, je vous rappelle, un petit souci. J'ai peur. C'est comme Steve le faisait, tu sais. J'ai peur. J'ai peur. On écrit plus lentement, préfecture de Bit, encore une fois. Le commissariat de Pointilly-sur-Orge. Central.
Eh ben Reyna, elle est flippante, elle est possédée par le mal. Le seul truc qu'il nous reste à faire, c'est d'appeler un exorciste. Écrit plus lentement encore, hein, je te dirais. Bon ben on suit, hein. Ça, c'est... on connaît déjà un peu la routine. Ah ben ça, ça, on l'a déjà dit. D'accord. Ligne interne, ok. Pourquoi pas. C'est bon? C'est rassurant, dis donc. Bon. Papa, tu me files ton calibre 12? Et pourquoi? Ah, ouais, comme ça. C'est chaud en ce moment. Ah oh là là, allez. C'est pour te protéger. Pour te protéger des punks. Ouais, c'est ça. Les punks, les punks, les fameux punks.